Salut, voilà, je me présente, moi c'est Hugo du magasin Euterpe Musique, Vichy et Clermont-Ferrand. Bonjour, je me présente, je suis Guillaume Chaban, je suis vendeur chez Euterpe Musique à Clermont-Ferrand. La boîte a été créée en 2001, fin 2001. Euterpe Musique, donc c'est comme vous le savez 6 personnes aujourd'hui avec aussi des personnes déportées. Donc on est une entreprise vraiment locale à vocation locale, donc on veut être proche des gens vraiment. Et on fait aussi à côté, on a aussi des partenariats avec accordeurs de piano, réparation d'instruments avant. On a un luthier, tout ce qui est luthier guitare, violon à l'intérieur du magasin. Donc William est notre réparateur attitré vraiment sur la lutherie un peu haut de gamme. On a Guillaume qui est guitare tech sur Clermont-Ferrand. Vous retrouvez ici tous les services ou au moins un carrefour où on peut vous proposer des solutions, que ce soit pour votre piano, pour vos guitares, pour vos instruments avant. Ce qui m'a donné envie de travailler en magasin de musique, d'abord la passion de l'instrument. Et j'avais envie aussi surtout de donner une autre approche de la vente en magasin. Voilà. Par rapport à mon parcours quand j'allais dans des shops, j'avais pas forcément les réponses ou des questions surtout qu'on me posait pour avoir des bonnes réponses et des choix qui me convenaient. Et quand du coup Hugo m'a proposé ce job, que j'ai accepté direct parce que c'est une très bonne opportunité pour moi à ce moment-là. J'avais arrêté mon ancien travail, chauffeur-livreur, donc qui n'a strictement rien à voir avec la musique. Et du coup, j'ai accepté ce travail parce que bah, ça me bottait vraiment. Voilà, c'était quelque chose qui m'attirait, qui me passionnait. Pas du tout dans le parcours vendeur, tout ce qui va être magasin, moi j'ai un parcours complètement différent. Je viens du milieu de la fête foraine, voilà, famille depuis 4 générations dans la fête foraine. Donc très très bercé, baigné dans la musique depuis tout petit. Voilà, ce qui m'a aussi donné du coup envie de jouer de la guitare. Quand j'écoutais mes premiers groupes vraiment à fond, c'était AC/DC, Motley Crue, j'ai découvert Joe Satriani, enfin tout ce rock 70s, 80, même 90 après, parce que j'étais encore baigné par ça. C'est vrai que nous on recherche toujours ce truc, la motivation de proposer à des musiciens, qu'ils soient débutants ou confirmés, des solutions intéressantes et des produits, enfin voilà, un vrai conseil. Et vous pouvez corps et âme à notre clientèle et en recherche toujours de solutions intéressantes ben, pour les personnes qui partagent la même passion que nous. Donc du coup l'approche de la vente que je voulais faire en magasin d'instruments de musique, c'est d'éviter les erreurs d'achat. Voilà, tout simplement, et proposer une autre approche en posant beaucoup de questions, prenant du temps aussi avec les gens. Parce que des fois, on n'a pas forcément en shop, ça va assez vite, tu veux telle chose, tel ampli, telle guitare, ouais, c'est super, vas-y. Moi, j'ai envie de connaître un petit peu plus les goûts des gens et aussi connaître ce qu'ils ont en matériel chez eux pour compléter, pour vraiment connaître leurs goûts et leurs envies. Voilà, c'était surtout ça qui m'intéressait de faire ce métier-là, sinon, ça n'avait pas grand intérêt pour moi si je ne pouvais pas proposer ce genre d'approche. On est tous musiciens, bien sûr, hein, parce que si on voilà, ne vend pas des chaussures, hein, on est tous pianistes, accordonistes, guitaristes, flûtistes, violonistes, violoncellistes. Ouais, c'est une belle aventure, un beau challenge, on rencontre des gens super. On a quand même des belles rencontres, ce qui fait que ben, ça fait 23 ans qu'on est sur ce créneau. Et puis donc du coup, ça fait 10 ans que je suis vendeur chez Euterpe Musique, voilà, avec un très beau shop aujourd'hui, entièrement rénové, grande surface, très chaleureux, du beau matos. Donc ça me plaît d'autant plus, voilà, parce qu'on peut s'exprimer un petit peu mieux, on peut proposer des choses un peu différentes. Et puis, voilà, ce travail de commerce me plaît aussi, l'approche des gens, j'aime bien. Donc j'aime bien discuter, découvrir, c'est hyper intéressant. Et il y a toujours des petites choses qui viennent nous reconforter, nous dire que demain, il y aura des nouvelles aventures sur des nouveaux produits. On est tombé amoureux des propositions de The Guitar Division qui vont vraiment dans le sens et redonner du lien, redonner
de l'humanité, redonner du sens à la musique. Et The Guitar Division en est vraiment la preuve avec l'arrivée de pas mal de fabricants français, européens qui vont pouvoir proposer et vous proposer au final. Et donc on va pouvoir vous proposer des produits alternatifs avec un vrai rapport qualité-prix, une vraie volonté des fabricants, que ce soit des produits, des accessoires ou des instruments, des amplis. De sortir au final un produit d'un rapport qualité-prix extrême, parce que ces gens-là, en fait, leur métier, c'est de fabriquer des instruments. Voilà, ils ont la même démarche que nous, c'est une démarche qualitative. Le volume ne les intéresse pas, on est vraiment dans quelque chose de high level, quoi. Donc je vous invite à nous rendre visite dans nos magasins, aller visiter The Guitar Division. Et si vous avez l'occasion de passer au shop, du coup, nous voir, nous demander conseil, n'hésitez pas. On saura vous conseiller, on est partenaire de la plateforme The Guitar Division. Donc on saura vous conseiller dessus. Et puis avoir accès à ces produits facilement avec un super partenaire.